Coucou les Kimi Show. Mais qu'est-ce que fait Kimi sur votre liste YouTube du matin avec une notification, votre feed, tout? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle poste jamais ce jour-là, cette demoiselle. Eh ben oui, nous sommes aujourd'hui le 14 février et donc j'ai décidé de vous proposer une vidéo bonus pour vous accompagner durant cette journée qu'est la Saint-Valentin. Tout d'abord, je vous souhaite bien sûr de passer une excellente journée, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, il y a différentes manières de fêter cette journée si vous souhaitez le faire et si vous souhaitez pas le faire, mais c'est ok aussi, enfin, il n'y a pas de bon plan ou non, on fait tout ce qui nous plaît et c'est l'essentiel. Et si on peut faire des choses qui nous plaisent en rapport avec la lecture, présentement juste ici, ça peut être chouette. J'ai donc décidé de vous recommander quelques livres qui contiennent notamment de très belles romances, selon moi. Vous allez voir, il y a du contemporain, il y a de la fantasy, enfin, il y a plein de trucs, il peut y avoir des enemies to lovers. J'ai vraiment fait un bon package pour que si jamais vous ne savez pas trop quoi faire et vous avez envie de bouquiner durant cette journée, cette soirée, mais vous pouvez piocher dans mes recommandations, bien sûr. On commence donc tout de suite et est-ce que j'ai osé mettre cette biologie? Est-ce que j'ai osé encore vous en parler? La réponse est oui, enfin... les gars, c'est pas possible autrement, forcément. Je suis obligée de vous parler de la romance qu'il y a dans la biologie du Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Le Faiseur de rêves, c'est une très belle histoire qui ne compte malheureusement que 2 tomes. On va suivre notamment Laszlo, un jeune homme orphelin qui essaye de s'en sortir comme il peut. Il travaille dans une grande bibliothèque et il est passionné par la ville de Désolation, une ville qui a disparu, mais dès qu'il trouve des textes là-dessus, il adore, il essaye d'apprendre le langage, un petit peu le commerce qu'il y avait à l'époque concernant cette ville. En parallèle, on suit des dieux qui vivent du coup à un endroit bien précis, mais je vous en dirai pas plus les concernant. Il faut simplement savoir que ces dieux ne sont plus très nombreux après une certaine guerre et forcément, ils vouent une certaine haine auprès des offenseurs qui ont limité finalement le nombre de demi-dieux tout simplement. Laszlo va être amené par différentes circonstances à se rendre à Désolation et là, toute sa vie va changer autant pour lui que pour les dieux qui restent. Dieu, demi-dieu, il y a un petit peu de tout, il y a plus de demi-dieux actuellement d'ailleurs, mais pour autant, on est sur un côté très mythologique. Si vous ne me connaissez pas, et bien sachez que vous êtes des vénards, ça veut dire que c'est la première fois que je vous saoule avec cette biologie qui est ma biologie coup de cœur de tous les temps. Ce sont mes livres favoris que je recommande sans cesse. Ils peuvent rentrer dans toutes les catégories du monde. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont précieux. Et la relation amoureuse entre Laszlo et Sarai, mais... elle est beaucoup, beaucoup trop géniale. Elle est comme évidente, même si malheureusement elle n'est pas du tout censée se produire, hein, par rapport aux deux personnages, ils sont pas du tout censés se rencontrer, s'apprécier, tomber amoureux et j'en passe. Mais pour autant, ils sont tellement, tellement bien, tellement harmonieux, tellement complémentaires. Ils sont tellement, voilà, ils sont tellement... Si vous l'avez pas lu, vous devez le lire et en plus de ça, ça tombe vraiment très bien si vous souhaitez les mettre notamment dans le challenge de Nina, à savoir la romantesi. On va entrecouper un petit peu avec du contemporain et c'est de l'exclusivité, je vous en ai pas du tout encore parlé sur la chaîne. Pourtant je les ai bouffés en moins de 48 heures. J'ai envie de vous parler de la duologie de Ashes Falling for the Sky de Ningerman et de Mathieu Guibet aux éditions Albin Michel. Oui, j'ai toujours du mal entre Albin Michel et Michel Lafonce, c'est une galère. Ici on est donc amené à suivre deux personnages, à savoir Ash et Sky. Ash est un jeune homme qui ne croit plus en la vie, qui erre parmi celle-ci et le seul réconfort qu'il trouve, ou en tout cas il arrive à se sentir un petit peu vivant, c'est quand il est dans le lit des demoiselles. Et à côté vous avez Sky qui commence du coup sa vie universitaire, qui a toujours été une demoiselle, qui faisait tout ce qu'on lui demandait, très prude, chaste au possible, vous comprendrez pourquoi je dis ça, et qui souhaite effacer tout son passé. Et lorsqu'elle va se rendre à l'université dans la première soirée étudiante, elle veut essayer de se dévergonder complètement en se trouvant un mec pour la soirée. Évidemment, Ash va trouver Sky, Sky va trouver Ash, par contre leur rencontre, hein, et ce qu'ils souhaitaient sur le moment ne va pas forcément se passer comme prévu, hein. Et on va donc suivre ces deux personnages qui n'attendent presque plus rien de la vie, en tout cas Ash lui, il ne vit pas, il survit si on peut dire. Ils ont tous les deux un passé extrêmement lourd, c'est très dur. On a l'impression qu'ils ont eu entre guillemets, et ça peut être négatif pour certaines personnes, moi ça m'a pas du tout gêné, mais qu'ils ont eu tous les malheurs du monde en fait. Et j'ai pris ça comme ça venait, je sais que c'est une critique pour certaines personnes, mais moi pas. Je peux vous la conseiller à 2 millions de pourcents. Par contre, il y a des gros, 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 gros trigger warnings
learnings là-dedans, sérieusement. Faites attention à vous. J'ai vraiment envie de vous parler de tout ce qui est suicide, de tout ce qui est grossesse, deuil, de perte d'enfant, enfin plein de choses comme ça. Soyez prudents, faites attention à vous. Mais si vous arrivez à passer au-dessus de ça, passerez un moment de lecture génial, ponctué de larmes à tout va. Ça j'avoue, mais ça peut être justement le bon plan pour se dire ah ouais je suis tellement triste que pour me réconforter je vais manger un peu de chocolat. Je continue avec une trilogie, alors il y a des tomes un petit peu plus préférés que d'autres, mais dedans vous avez des romances dans chacun des tomes et c'est des romances que j'ai adorées. J'ai envie de vous parler de la trilogie d'Iskari de Kristen Schickerli, c'est très dur à dire, je suis désolée, aux éditions Gallimard Jeunesse. Chaque tome a la particularité d'être indépendant, pour autant il y a bien sûr des connexions logiques entre chacun d'eux et moi je ne peux que vous conseiller finalement de suivre la saga, donc du 1, 2 au 3, parce que finalement il y a toujours des petits clins d'œil et c'est intéressant et on aime bien ça quand on connaît un petit peu de quoi il s'agit. Ce qui est bien et qui va peut-être vous arranger, c'est que je pense que selon moi la plus belle romance est dans le tome 1. On est sur une saga de fantasy orientale, encore je sais, mais j'adore ce genre. Et ici on va donc suivre une demoiselle qui est la Iskari. On vit dans un univers où les légendes sont interdites, prohibées. Et ici on va donc suivre la princesse Asha, qui est vraiment quelqu'un dont on a très peur puisqu'elle est la tueuse de dragons, c'est ce qu'on appelle l'Iskari. Si ce n'était que ça, ça passerait, sauf qu'il y a beaucoup de complots, elle est princesse, elle est donc fille d'un roi, qu'est-ce qui se passe à la cour? Il y a une forme d'esclavage aussi, qu'est-ce qui se passe avec ces personnages? Les dragons, qu'en est-il? Et les légendes, est-ce qu'elles doivent vraiment être prohibées ou pourquoi elles le sont? Qu'est-ce que ça cache tout ça? Il y a beaucoup de mystères, c'est une trilogie que j'aime de tout mon cœur, donc n'hésitez pas à passer un petit moment avec celle-ci. De retour avec une petite romance contemporaine, ici on est plutôt sur de la new romance du coup, et gros coup de cœur de ce début d'année, c'est la saga Campus Drivers. C'est donc écrit par C.S. Quill aux éditions Hugo. On peut croire qu'on va suivre trois romances, en réalité il y en a quatre puisqu'il y a quatre garçons dans ce groupe de copains et on va les suivre un par un. Bon, vous allez me dire qu'il y a quatre garçons, il y a trois tomes. Bon, il y a une des romances qui est incorporée dans les autres tomes en même temps. Et ces quatre garçons, ce sont des garçons qui ne croient pas en l'amour, qui pensent à s'éclater, à trouver des filles, qui sont basketteurs, qui sont bien vus, qui ont de bonnes notes plus ou moins, enfin bref, c'est genre le groupe de mecs qui est totalement idolâtré par les demoiselles. Et leur particularité, c'est qu'ils sont des campus drivers, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place une application où à chaque fois qu'il y a une demoiselle qui a besoin d'être accompagnée sur le campus parce qu'il est énorme, et bien eux ils font les taxis. Et ils font les taxis avec des super belles bagnoles vintage. La particularité pour moi dans cette saga, c'est que en fait les romances, mais elles sont tellement originales, atypique. C'est vraiment le genre de truc que je n'ai encore jamais lu jusqu'à présent et qui a fait que j'ai vraiment adoré. Le tome 1, c'est une romance entre un mec totalement aigri et une demoiselle qui vient de se faire mettre à la porte par son petit copain. Elle va squatter son canapé, ils se détestent, ça commence comme ça. Bon, on sait comment ça finit comme toujours. Le tome 2, c'est un jeune homme qui comprend que sa sœur a des soucis et il a envie de changer suite à ça. Il veut donc devenir le parfait petit copain, lui qui se tape tout ce qui bouge, y a pas à dire. Et il va donc demander les conseils d'une demoiselle qui adore lire de la romance, parce que si elle lit de la romance, c'est que finalement elle sait tout du prince parfait, sauf que c'est pas forcément vrai. Et le dernier tome, c'est donc avec le dernier personnage masculin, Lewis, qui alors lui ne cherche aucunement une nana, hein, ça c'est clair, net et précis. Par contre, ils sont dans leur dernière année de scolarité, donc il va falloir trouver quelqu'un pour reprendre la relève des campus drivers lorsqu'ils seront partis. Et finalement, lui, la personne qu'il va trouver, ou en tout cas il va être obligé de discuter avec cette personne, c'est une demoiselle qui vient d'arriver, et d'ailleurs elle n'a pas forcément un passé, une vie très très droite et rangée, hein. Ils sont tous super originaux, ils sont tous hyper page-turner, hyper prenants, j'avais les larmes aux yeux sur certaines scènes et qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est un des trucs que je retiens le plus dans cette saga, c'est que j'étais tout le temps morte de rire, c'est très prenant, addictif, à souhait, il faut vraiment y aller, et maintenant qu'il y a les poches de sortie en plus, on peut avoir la saga à moindre frais. Celle-là aussi je vous ai assez saoulé avec, mais pour autant on est sur un enemies to lovers qui est vraiment du feu de dieu. J'ai envie de vous parler de la duologie de Lune Ardente, bien sûr, de Morgan Rugraff aux éditions Plume Blanche. Lune Ardente, c'est quoi? C'est le combat entre deux peuples, les Sombres Lunes et les Sangs de Soleil. La princesse de Sombre Lune se rend compte que son peuple va
perdre la guerre et va mourir, et ça c'est hors de question. Elle va donc se sacrifier et proposer une trêve en proposant sa main en mariage à l'un des princes. Elle va donc devoir quitter tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle aime pour vivre directement dans la cour de l'un de ses princes, le prince aîné en réalité. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, forcément c'est une sombre lune, c'est une pestiférée, elle vit selon l'astre de la lune, leurs créatures sont trop bizarres, leurs coutumes, elle est jugée tout le long. Et en plus de ça, les coutumes descend de soleil, voilà. En deux tomes, on va donc suivre l'évolution de cette princesse et ce enemies to lovers qui est absolument, mais parfait, 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 parfait. Bon, vous allez me dire, mais vu la fin Kimi, c'est peut-être pas parfait, mais c'est pas grave, c'est génial. Je les aime de tout mon cœur et j'ai adoré passer un moment avec eux et je repasserai volontiers un moment avec eux. Il y a aussi beaucoup de trigger warning ici, il y a de la violence, il y a aussi de l'agression sexuelle, je préfère vous prévenir. Et pour toutes les personnes qui ont comme sujet sensible tout ce qui est deuil d'enfant, violence d'enfant, alerte. On continue avec l'avant-dernier contemporain, il me reste deux livres à vous présenter après. Le livre qui m'a fait le plus chialer en new romance, très certainement, c'est Eleanor and Grey de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo. On va donc suivre les deux protagonistes lorsqu'ils sont très jeunes et qu'ils sont très proches, amoureux, tout ça, tout ça. Sauf qu'il va se passer quelque chose dans la vie de Eleanor qui fait qu'elle va devoir partir, et avec la distance, forcément, ils vont moins penser l'un à l'autre et puis ils vont chacun faire leur vie. Sauf qu'un jour, avec certaines circonstances, Eleanor va se retrouver la babysitter des enfants de Grey, Grey qui est devenu veuf. Sauf qu'elle ne reconnaît pas le garçon dont elle était tombée amoureuse plus jeune, il est devenu beaucoup plus obscur, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus dur, froid, et finalement on va voir un petit peu comment leur relation va évoluer lorsque Eleanor entre dans la vie de Grey et ses enfants. Je vous assure que c'était terriblement violent pour mes petits sentiments cette lecture, je l'ai dévorée en moins de 24 heures alors que je travaillais, j'ai lu jusqu'à je crois 3h du matin, je me suis levée à 5h30 pour aller au boulot, et quand je suis rentrée du boulot, je n'ai pas bougé mon cucu du canapé tant que je n'avais pas fini ce bouquin. Il est très complet, mais il aborde aussi des sujets très vrais et qui peuvent être aussi durs pour certaines personnes, comme le fait de vivre un deuil. Le deuil de la personne qu'on aime, la mère de nos enfants, c'est quelque chose qui n'est pas évident. La maladie aussi est abordée dans ce roman, et pour autant, c'était une pépitasse bananas. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je me mette sur la suite, oui, non, c'est sur London et Shay, deux personnages qui interviennent du coup dans ce roman, meilleur ami de l'une et cousin de l'autre, donc forcément, ah, j'ai trop envie, j'ai trop trop envie, donc ça veut dire que je vais bientôt pouvoir retrouver Eleanor and Grey grâce à London and Shay, et j'ai hâte, tellement j'ai adoré ce couple. On enchaîne avec un dernier roman de fantasy, mais alors ici on est sur un enemies to lovers aussi, mais de la crème, du chouchou à la crème, du bonheur en barre, enfin ça dépend pour qui et à quel moment de l'histoire bien sûr. Je veux bien sûr donc parler de la reine courtisane de Anatrice aux éditions Black Ink. Ici, on vit sur un royaume qui est en paix depuis un petit moment, et ce royaume est divisé du coup en 4 éléments clans, donc chaque clan constitue un élément, le feu, l'eau et j'en passe. Sauf qu'un jour il va se passer quelque chose qui fait que le prince du clan élément du feu va vouloir se venger sur tous les autres, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va épouser chacune des princesses des autres éléments clans, et qu'après elles vont mystérieusement disparaître. Il va donc pouvoir régner sur chacun des éléments clans, puisqu'il arrive à avoir chacune des princesses. Et on suit donc ce jeune prince lorsqu'il essaye de mettre la main sur la reine dite courtisane, celle qui appartient à l'élément clan de l'eau. Cette dernière va donc se rendre au palais comme à chaque fois, et elle sait que d'ici 24 heures elle va l'épouser et qu'elle va mourir comme les autres princesses. Mais qui est-elle réellement? Quel est son vrai pouvoir, sa vraie nature? Qui est telle? C'est le mot clé, c'est la question clé de ce roman, et le prince est quelqu'un de tellement perspicace, détruit, qui se pose pas les bonnes questions, qui boit les paroles de certaines personnes comme de l'eau, alors que finalement la confiance, eh bien faudrait peut-être pas la donner à n'importe qui. C'est vraiment un enemies to lovers d'une qualité, l'univers est extrêmement bien développé, il est riche, il est prenant, et la découverte des deux personnages, enfin c'est incroyable. D'ailleurs je sais que je les retrouverai peut-être un petit peu, ou en tout cas je retrouverai certains qui sont présents un moment, puisque du coup Anatrice nous propose aussi la Guilde des Ombres, donc c'est aux éditions Plume Blanche, et ça reprend l'univers et l'histoire de personnages qui sont présents ici, mais bien avant ce qui arrive dans ce roman. Et la dernière romance que je vais aborder avec vous ici, elle n'a pas conquis tout le monde, alors pour autant, moi j'ai adhéré à 2000%, je vous le dis direct. Il s'agit du coup de No Rules de Anita Riggins, donc c'est aux éditions Addictif dans la collection Love, 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 Love.
Luve, L-U-V, on va dire Luve. Ici on va donc suivre Iris qui vient d'arriver à l'université et en fait elle veut se faire petite, elle veut pas forcément être dans les histoires ou être près des personnes qui sont genre les têtes de l'école, en tout cas les personnes les plus populaires. Sauf que ce qui est très bizarre dans cette université, c'est que tout le monde a un espèce de respect mais qui est limite, du grand n'importe quoi envers un groupe de jeunes et dont le chef de la meute, c'est comme ça qu'il s'appelle, se nomme Tucker. Et à chaque fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils organisent une espèce de grosse cérémonie avec plusieurs épreuves, etc. pour avoir des nouveaux membres dans leur clan. Tout le monde est à fond, veut passer les épreuves, etc. Sauf que Iris, elle en a rien à casquer. Mais forcément, quand on ignore Tucker, c'est là que Tucker trouve un intérêt à la personne. Elle va donc finalement se prendre au jeu de ces espèces d'épreuves dans des circonstances très particulières. Et forcément, le charme du bad boy essaye d'opérer sur elle malgré toutes les réticences sens qu'elle peut avoir. On est donc sur une romance qui est un petit peu torturée, un petit peu forcée parfois quand on voit le comportement du jeune Tucker parce qu'il sait qu'il a de l'emprise sur les demoiselles, et en même temps j'aime beaucoup ce jeu où elle, malgré ce qu'elle ressent, elle a une répartie monstrueuse, elle lui fait fermer son clapet, je trouve ça hyper bien. Je sais qu'il y a un autre récit un peu dans le même univers de l'autrice, il faudrait vraiment que je m'y attelle, c'est My Rules ce coup-ci, et j'espère que je passerai un aussi bon moment que celui-ci où j'ai pu vraiment le dévorer. Par contre, vous voyez, il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de ce genre de roman qui lui trouvaient trop de défauts, mais alors moi, pas du tout. Moi, j'ai complètement adoré. Et bien voilà les Kimichu, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ces petites recommandations vous auront plu. Si vous êtes assidus de la chaîne, je pense que vous devez reconnaître un bon nombre de ces romans puisque je vous ai tous ou presque présentés sur cette dernière, puisque à part Ashes Falling for the Sky et d'ailleurs Campus Drivers qui vont arriver dans un prochain update lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez une petite romance de prévue à bouquiner pour cette journée de la Saint-Valentin. Moi je vous ai laissé choisir sur Instagram et visiblement vous avez envie que je m'attaque à L'As de cœur de Morgan Moncomble. Alors j'espère que je passerai un bon moment de lecture. Je vous retrouve du coup mercredi pour ma pile à lire pour le challenge Roman Tessie de Nina, bien sûr. Donc ma pile à lire arrivera un jour après le début du challenge. Pour autant, vous inquiétez pas, je le commencerai en temps voulu celui-ci. Surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite tout plein de courage pour cette semaine. Et si vous avez besoin d'une petite dose de bonne humeur ou en tout cas de folitude, je vous retrouve du coup mercredi sur la chaîne. Gros bisous tout le monde. Ciao !